Il a quoi, moi, la barre à l'œil? Oh. J'ai pas encore d'un. Ah, si. Moi, personnellement, je vote extrêmement fort. Je sais pas ce que font les autres. Pas fort du tout. Pas fort du tout? Fort. Très fort. Pas fort, le pauvre. Moyen, moyen. Malabar, tu votes quoi? Check. Check, ça vaut fort. Voilà. Check, c'est fort. Donc, ça fait une moyenne de moyen fort. J'ai pas regardé. Pourquoi tu mens? Tu me regardes dans les yeux. Ose me dire, j'ai pas regardé. Fais l'homme, attends. Fais l'homme. Si t'as pas regardé, tu me dis, Miral, c'était fou, j'ai pas regardé. Si t'as regardé, t'assumes, tu me dis, qu'est-ce que t'as? J'ai regardé, et alors? Qu'est-ce que t'as? Mais j'ai pas regardé. T'as vu, juste comme tu me le dis, tu mérites de te prendre un coup. Rappelle-toi toujours de la phrase de Montaigne que je t'ai rappelée la dernière fois. Je me fais plus d'insultes en mentant que je n'en fais à celui à qui je mens. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Recevoir la sentence méritée. Allô? Ouais, attends. Allô? Vas-y, on arrive. Vas-y, à tout. Allez, je vais respecter le deal. Ne crains pas, je respecte le deal. Allez, vas-y. La barre, allez. Ciao, les gars. Ciao. Babar, hein, tu restes sage, hein. Papa il revient vite, d'accord? Doc, enlève ta main, voilà, il te griffe, tu vas morfler, frérot. Ce qui n'est pas bien en ce moment, François. Échanger les croquettes et tout, le pauvre, ta recette, elle a pas marché. Ça a pas marché? Ouais, je te jure, ça a pas marché. Il se rapproche de la gamelle, il renifle, il se barre. Ah, c'est des fous, les chats, aussi. Mmh. Hein, mon petit François. Je te resserre, frérot. Ouais, ouais, vas-y. Allez, Alex, tu racontes, t'as déjà bu au moins 5 bières tout à l'heure, si tu me racontes. Ah, laisse-le. Laisse tomber. Ça va. Arrête de boire. Laisse, serre-le. Arrête de l'inciter. Serre-le. T'es censé être celui qui incite pas, qui donne la voix de la sagesse. C'est l'âme de boire. Bon, tu veux combien, 100 ou 200, frérot? Ah, mais 200. Juste, t'endors pas. T'inquiète pas, je me suis déjà endormi ou pas? Abuse pas. Des fois, t'esquives. Abuse pas. Pas de mauvaise langue, s'il vous plaît. Bon, on est parti? Ouais. Allez. Bonsoir. Qu'est-ce que tu regardes? Quoi, qu'est-ce que je vois? Tu te rappelles, toi, quoi? Qu'est-ce que je regarde, quoi? Qu'est-ce que tu veux, là, ta tête de puceau? Tu crois qu'il m'impressionne? Range ta mère! Mais moi, j'ai rien à dire, pourquoi tu me parles? Veux-tu que j'ai envie de te voir? T'es qui, toi? Eh, hey, Malva, un problème avec papa, viens. Allez. Ouais. Non, pas touché. Allez, viens. À toutes. À toutes. Madame Dufour. Bonjour Antoine. Ça va? J'ai fait les petites zézettes. Ah oui?
Vous verrez, j'ai eu la main un peu lourde sur le muscat, mais normalement, ça devrait passer. Ça me plaît, merci. Ça va ? Tu viens me prendre un café ? J'ai pas le temps, désolé. Je repasserai. Par contre, 4-5 jours au placard, c'est du bon. Oh, ben, je vous aurais fini avant. Ça marche. Bonne journée. Au revoir, toi aussi. Reste-toi, Malabar, viens. Ouais, c'est moi, je suis en bas de chez toi. Là. Si t'es pas mort, rappelle-moi. Si t'es mort, passe le bonjour à Satan, dis-lui que j'arrive. Allez, à tout. Vas-y, viens, on bouge, non ? Non, viens, on fait un match. Non, vas-y, on va pas se moisir dessus devant la play, là, comme deux trimards. Viens, on sort, on va prendre l'air, on va gambader, on fait quelque chose. Ah, j'ai la flemme. Oh, t'es fatigant. Hein. Oh, fais une concession pour moi, mon vieux. Tu fais pas une petite concession pour moi ? Allez, moi, je vais faire une concession pour toi. Se regarder dans le blanc des yeux tout l'après-midi, tu vois, on va se régaler. On va se passer une après-midi d'anthologie comme deux vieillards grabataires, Kakoshim, dans un EHPAD. Attendons la mort ensemble. C'est qui ? C'est une meuf que j'ai pris en stop tout à l'heure. Ok, meuf en stop. D'où tu prends des meufs en stop, tu me préviens pas. Bah là, je te le dis. Vas-y, me propose qu'elle vienne ce soir, on se passe une petite soirée. Moi, je vais l'écrire tout à l'heure. Vas-y. Moi, si j'étais une femme, tu... tu me trouverais... Imagine-moi, ma tête, mes yeux, mes traits, mon corps, avec juste deux petites proéminences bien placées, tu... Tu pourrais potentiellement éprouver du désir pour une femme comme moi. Non. Quoi ? J'ai t'aidé à imaginer. Imagine que je m'avance progressivement vers toi, comme ceci. Je vais refaire un match. Passons du bon temps. Bonjour, Doug. Votre malléole est bien... est bien acérée. Puis-je remonter le long du mollet ? Puis-je palper cette rotule divine, ainsi que ces belles mains effilées de pianiste ? Ces petits avant-bras que j'aime à parcourir avec la poésie d'une... d'une salade de doigts qui se promène comme ceci et qui va se saisir du petit oiseau. Allez, mais tu sens le rat crever, sale chien. Allez, barre-toi de là. T'as le fion, c'est... Des pets comme ça, c'est pas...
C'est pas possible, ça. C'est pas des paix de gens normaux, ça. Mais il y a tout le village qui t'a chié dans le caleçon, ou quoi. Incroyable. Ouais, c'est une maladie, ça. Ça, c'est des maladies que tu te trimbales. Ça, tu te bats. Eh oui, bah, je crois que j'ai envie de mourir asphyxié. J'ai pas mes bouteilles d'oxygène, mon vieux. Alors, Bernard. Ça va? Ça va? Tranquille? Tranquille. Qui ça dit? Non, y'a rien. Y'a rien gagné. Alors, c'est quand ton anniversaire, Bernard? Ben, 3 décembre. 3 décembre? Ouais. T'es Lyon, là, ça c'est pour juillet-août, ça. Toi, faut que tu joues Sagittaire 3 décembre, je crois. Mais j'aime bien Lyon, moi. Comme tu veux. Mais après, le principe du jeu, c'est de jouer le signe. Ça porte j'ai chance. J'ai gagné, Lyon. Tranquille, tranquille. Comme tu veux. Voilà. À plus, Bernard. Salut, ça va? Salut. Avec Miralles et quelques collègues, on va se poser à la place haute. Si tu veux venir, t'es la bienvenue. Franchement, j'aurais bien aimé, mais là, je suis fatiguée. Avec le voyage, je vais juste me poser fumer un joint, je crois. D'accord. Tranquille, je te jure, fais pas la timide, on est bien, on est une belle bande. Des joyeux lurons, on va prendre plaisir. Je suis pas timide, hein. Bah, viens. Non, mais peut-être une prochaine fois, mais là, je vous jure. Allez. C'est pas tous les jours que t'es au Pouget, quand même. Hein? Ouais, mais là, j'ai le temps, je suis là pour un mois. Ouais, mais cette soirée-là, faut pas la rater, hein. Attention, hein. Mm. On va être en haut, il va se passer des choses, hein. En plus, faut que je me change et tout. Tu vas te changer de quoi? Bah, je vais pas sortir comme ça, je suis en pyjama. Et même en pyjama, t'es mieux habillé que tout le monde là-haut. T'as aucun problème là-dessus. Ouais, je passerai peut-être, alors. Non, tu vas venir. Non. Nous la fais pas à l'envers parce que c'est la tombe de mon père que je viens de chercher par le callback dans ta maisonnée là. Ouais. Vas-y, à toutes. À toutes. Allez. N'importe quoi. Ma carbonara, il y a de la crème. Mais pareil. Il y en a toujours eu. Moi, je vous parle de la recette traditionnelle. Vous me parlez d'une recette de mécréant, au final. Moi, dans ma recette, il y a 5 ingrédients qui sont simples. T'as huile d'olive, parmesan, œuf entier, pancetta, poivre. C'est tout. Tu vas pas me dire que c'est moins bon non, mais t'es... avec de la crème et des lardons. T'es un comique. Qui est le cuisinier entre toi et moi? Qui est cuisinier? Personne. À ce jour, personne. Non, toi, tu vas ouvrir un resto, donc tu crois que tu peux ouvrir ta bouche. Mais qui est fondamentalement un cuisinier? T'es pas cuisinier, t'as un CAP de cuisinier. Un CAP de cuisinier? Ben, je suis cuisinier. Cuisinier et cuisine. Toi, tu cuisines pas, tu seras cuisinier quand tu cuisineras. Jusqu'ici, t'es rien du tout. T'es culotté, mon copain, parce que tu sais très bien que moi, si je cuisine pas, c'est par choix, déjà. Je ne me sens pas de travailler dans un restaurant de village, sans offense ni rien, mais je vois plus grand que ça, c'est tout. Casse-toi, au lieu de rabaisser les autres qui essaient de faire des choses, qui essaient de faire vivre. Déjà, il n'y a aucune offense dans ce que je dis. Je m'interroge juste que Paco... Tu vas ouvrir un restaurant, t'as jamais travaillé dans la cuisine de ta vie, mon vieux. Alors, c'est quoi le concept, en fait? Ça n'a rien à voir, c'est pas un concept, t'es resté coincé dessus. Je t'ai jamais dit que j'étais cuisinier. Je monte une affaire, moi. Ouais. Les cuisiniers, je les embauche. Moi, je fais des études de marché, j'organise mon truc, je cherche un local, je vais voir les banques, je monte un projet, quoi. Et si ça t'intéresse, tant mieux, je serai très content. Mais et donc... si ça t'intéresse pas, eh bien, tant pis, voilà. Mais tu montes un business. Je fais pas ça au pif juste parce que c'est ici chez nous. Genre, je pense que ça va marcher. Bref. Ah, écoute, je me languis de voir ton succès. On verra. Je me languis. Moi, je suis pas adapté à l'environnement dans lequel j'évolue. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Dog, il est adapté. Il est taillé pour être dans un village comme ça, un peu machin. Moi, je sais que si je reste là, je vais m'attraper un cancer un de ces 4 matins, je vais rien y comprendre. Et c'est mon corps, au final, qui va parler à ma place et se charger
de dire le truc, tu vois. Tag, il ferait un bon serveur pour toi. Tag, il a une tête de serveur et... Et seulement, il voulait pas aller sucer des chips de crâne rasé en treillis, hein, faire chien de garde de la patrie, là, ouais. Une belle ambition, hein. Ça fait pas rêver. Bah, on verra. Hein. Ah, on verra. De toute façon, il faut des sous pour tout ça. Ouais. Et si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Ouais. Moi, j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Imagine. Tu fais la gueule ? Non. Pourquoi tu parles pas avec nous ? Je sais pas, j'ai la flemme, j'écoute. T'as la flemme de quoi, toi ? J'ai la flemme de parler. T'as pas la flemme d'être beau, par contre, hein ? Ça, t'as pas la flemme, hein, d'être rayonnant de beauté, comme ça, sur ton banc, attirer à toi comme un aimant les femmes ? Ça t'embête pas, ça ? Bon, je vais y aller. Tu vas ? Toi, tu bouges. Bouge ! Ouais, ouais, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux chez toi ? Dormir. Pourquoi tu veux dormir ? J'ai sommeil. T'as sommeil, t'as rien fait de la journée ?